Que dit la loi? Qu'est-ce qu'une sommation avorte? Je dis, une sommation, son acte d'huissier avant tout. On dit c'est un acte préparé par un huissier. De deux, une sommation, son acte extrajudiciaire, c'est bon, acte d'instance, son avertissement que lié, son mise en garde. Maintenant, est-ce que tout le monde a fait sommation? Oui, tout le monde a fait sommation, automatiquement, il faut sentir qu'on doit le léser. Normalement, est-ce qu'on sommation qu'a lié au tribunal? Non, sommation pas qu'a lié au tribunal. Comprenez? Mais par contre, il y a deux dossiers qu'a fait, on a besoin d'une sommation pour mode de preuve. Maintenant, dans le cas qui nous concerne, celui de Félix Badiou, est-ce que Badiou a sommé personnalité ça? Oui, il est capable. Parce que, n'oubliez pas que Félix Badiou est un recherché par la police. Son nom figure dans un rapport. C'est-à-dire qu'il est impliqué. Il serait impliqué. Il serait. Maintenant, est-ce que serait impliqué ça, enlever le droit à l'exercice de ses droits civils? Non. Et là, on va râler article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a dit, nul ne peut être déclaré coupable pas avant même qu'un jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Nul ne peut être déclaré coupable. T'as dit, pour M. Badiou, au regard de la Convention internationale relative, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est un présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait rendu un jugement. Et dans lequel jugement, ce même juge prononce l'enlèvement ou bien l'anéantissement de l'exercice de ses droits civils et politiques. C'est très important. Dans quatre dossiers, ça, Badiou pour objet d'un jugement. Dans quatre dossiers, ça, pour qu'on ait une audience, un procès qui fait, dossier toujours en phase d'instruction. Et il y a un monde qui dit, est-ce que l'elle est inculpé? Même s'il est inculpé, il tape tout sommet. Oui, il tape tout sommet, même l'elle est inculpé. Même l'homme a un petit problème avec connotation inculpée, parce que le concept inculpé porte atteinte encore à la présomption d'innocence. Donc, dès que vous dites inculpé, c'est comme si implicitement, ou fouiller mon nom dans le dossier, mais dans le bazou, et si, lors de l'instruction, vous estimez que vous ne savez aucun rapport pour vous à fait que vous pochez là. Là, sous parenthèse, que vous avez ouvert. Est-ce que s'il n'a pas un signe devant la juridiction d'instruction, il a sommé? Oui, il a sommé. Est-ce que s'il devant un procès criminel, il a sommé? Oui, il a sommé. Il n'a pas sommé, il n'a pas exercé droit, c'est le tribunal qui a prononcé un jugement qui condamne et même côté à l'autre série de civils et politiques. Maintenant, que dit la loi? Pour rester en justice, il faut quatre conditions: le droit, l'intérêt, la qualité, la capacité. Vous avez besoin? Maintenant, dans le débat que tu as fait là, il y a un monde qui a dit est-ce qu'il y a une qualité? Est-ce qu'on recherche par la justice une qualité? Est-ce qu'on fugitif une qualité? Le fait que ou son recherche ou son fugitif, est-ce que ça a enlevé pour autant l'exercice de droit civil? Non, malheureusement. Vous en voulant? Droit civil ou qu'a enlevé, c'est jusqu'à ce que vous prononcez un jugement. Et dans le jugement, ça, faut enlever droit civil. Malheureusement. Donc, je suis obligé de le dire. Je ne suis pas l'avocat de Badiou. Je donne mon avis technique, mon avis d'avocat, parce que moi, là, pour éclairer l'interne, pile mon cap gade, mon cap tende. Donc, droit pendant sensation, pendant sentiment. Et il faut dire le mot du droit. Il faut dire ce que dit la loi. Eh bien, dans le cas qui concerne M. Badiou, ça concerne là, c'est que il a la possibilité de sommer, d'ester en justice, même si tel cas cité, si on n'est pas rétracté. Maintenant, il revient aux autorités policières et judiciaires de faire ce que de loi. Et bien, même pas le zabou fait. Vous avez besoin? Il revient aux autorités judiciaires et policières de faire ce qui doit être fait. Maintenant, l'heure où constate que Badiou sommet, peut-être que ça met à nu la faiblesse des autorités policières et judiciaires. Parce que Badiou n'a pas supposé qu'il y ait une possibilité pour la faire ça. Non. 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 Et si nous connaissons nos rapports à câble à côté que Badiou est intéressé,
badge concerné, dont nous-mêmes nous sommes supposés faire tout ça pour nous faire pour que badge derrière les barreaux. Mais il n'est pas derrière les barreaux, maintenant il est en train d'user, d'utiliser les prérogatives que la Constitution lui confère, celui destiné à justice. Donc, dans ça, nous avons conclu pour nous dire que oui, Badjo, au regard de la DDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une possibilité pour le sommer et ester en justice correctement. Donc, il y a, si vous avez le tribunal, il va arrêter, ça, c'est l'autre bagage. Est-ce que vous arrêtez dans le procès? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, jusqu'à preuve du contraire, il va ester en justice correctement. Merci. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne. Monsieur le Président, l'huissier a son travail à faire. L'huissier a fait son travail. Il n'est pas impliqué dans quatre dossiers, malheureusement. Monsieur le Président, nous sommes en phase d'enquête. Si dossier devant le juge d'instruction carré l'huissier, oui. Si dossier devant le juge d'instruction carré l'huissier, clair. Comprenez? Il y a un pouvoir discrétionnaire. Et en vertu de ce pouvoir discrétionnaire, il appelle qui il veut. Il appelle qui il veut. Donc, on pense que si l'huissier travaille, si le juge travaille, mais on ne pas dit l'huissier est impliqué. On ne pas dit ça. Mais cependant, dans le pouvoir discrétionnaire que confère la loi au juge d'instruction, oui, il est carré l'avocat, il est carré l'huissier pour faire connaître, etc., pour poser des questions. Voilà. Et différentes personnalités au sommet. Non, il y a un jour franc. Un jour franc équivaut à trois jours ordinaires. Maintenant, côté ça qui est intéressant, c'est que, et si Badjo t'a décidé de citer Mounzao, et s'il t'a décidé de citer au correctionnel, est-ce que la paraît? Voilà la grande question. Or que dans la sommation, il mettait c'est lui plaider pour peut-être lui. Et le avocat tête lui. Est-ce que la paraît? S'il paraît, ça va passer. C'est là le film intéressant. Comprenez donc, il y a un autre qui a fait, sinon il faut constituer un avocat pour un cabinet d'avocat et puis attendre la suite nécessaire. Voilà. Il y a un autre qui a fait. Parce que c'est sûr, si vous maintenez, mais si vous faites une sommation responsive, Badjo a cité quand même. Donc, on y a que tant Badjo cité. Et puis après ça, pour le tribunal, pour décision, pour le point. Et puis pour mon avis, pour faire valoir le droit correctement. Voilà. Il y a une question qui est en train de faire une provocation pour Badjo après tout. Parce que j'aurais plus de passer ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit ça vraiment. Oui, c'est de la provocation. Parce que, rendez-moi fou sage, il ne comparaîtra pas. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc c'est sûr et certain, il n'est pas venu. Donc s'il vient, il connaît que toute unité, BLTS, BRIS, SWAT, DCBJ, tout a débarqué dans le tribunal à Vingouane. Or que l'aile d'imposé n'est pas couvert par immunité. Il n'est pas venu. Vous comprenez ça, comme je dois attendre la suite parce que la suite est beaucoup plus intéressante que le début. Donc c'est dans ce sens, nous-mêmes comme avocat, nous disons conseil, nous constituons avocat pour faire ce que le droit devant la loi. D'accord, merci.